Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour une sacoche de pétanque. Pour le réaliser, nous aurons besoin de deux coupons de tissu imperméable de 23 par 15 cm. Deux cercles de ce même tissu de 10 cm de diamètre. Un coupon de plastique transparent de 11 par 8 cm. Une sangle de 50 cm. Et une fermeture éclair de 23 cm. Je commence par plier les deux extrémités de ma sangle sur environ un demi centimètre. J'épingle. Je passe une couture. Je vais maintenant positionner mon coupon transparent sur un de mes coupons de tissu imperméable. Je le positionne en sorte qu'on ait 3 cm en haut et 2 cm sur le côté. J'épingle. Je vérifie. 3 en haut. 2 sur le côté. Je passe une couture à 2 mm du bord sur ces trois côtés-ci. Je positionne maintenant l'endroit de ma fermeture éclair contre l'endroit de mon tissu. J'épingle. Je passe une couture avec mon pied spécial fermeture éclair. Je positionne maintenant l'endroit de ma fermeture éclair contre l'endroit de mon autre coupon. J'aligne bien. J'épingle. Je passe une couture. Je passe maintenant une surpiqûre à 2 mm de la fermeture éclair. Je positionne maintenant ma sangle. Je me base sur mon coupon transparent. Je la positionne à peu près au milieu. Sachant que je vais laisser 2 cm en partant du haut, j'épingle. Je vais passer une couture comme ceci, à 1 mm du bord. Je positionne mon autre morceau de sangle sur mon autre coupon de tissu. Je la positionne à peu près au milieu. Je laisse environ 20 cm sur mon coupon. Je vais épingler et pareil, je vais faire en sorte de laisser 2 cm en haut.
Je passe une couture à 1 mm du bord, comme ceci. Voici le résultat. J'ouvre ma fermeture éclair. Je positionne maintenant mes deux coupons endroit contre endroit, comme ceci. Je les aligne bien et j'épingle ce côté pour passer une couture. Je positionne maintenant mes coupons comme ceci. Je vais maintenant positionner un demi-cercle. Mes coupons sont endroit contre endroit. J'épingle côté fermeture éclair. Milieu de mon cercle côté couture. Puis j'épingle sur tout le tour. Fais la même chose pour l'autre côté. Je passe une couture sur les deux côtés. J'ai découpé au ciseau cranté ici et de l'autre côté. Je peux maintenant retourner ma sacoche sur l'endroit. Voilà, mon tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!